C'est du calcaire blanc d'excellente qualité. Donc l'édifice devait être très impressionnant. À Abu Ghraib, les fouilles de Massimiliano Nuzzolo et Mohamed Osman ont permis de trouver de surprenants indices sous le temple solaire de Nusayr. La construction en briques de terre enfouie sous ses fondations leur permettra peut-être de localiser les temples solaires bâtis par les derniers rois des pyramides. La tâche est délicate. Le simple fait de pouvoir dater ces briques vieilles de 4500 ans repose sur des techniques perfectionnées au fil des ans. Il n'est pas facile de trouver des briques de terre, puisqu'elles sont justement enfouies dans la boue. Donc, l'archéologue doit être attentif au bruit de la truelle, parce que c'est le seul moyen de reconnaître la présence de ces briques. Ce genre de travail demande vraiment des compétences particulières. L'équipe a déterré des briques aux quatre coins du site. Cela laisse penser que la plus ancienne construction en terre est bien plus vaste que prévu. Khaled, le chef d'équipe, fait une découverte à l'extrémité du périmètre. On nettoie l'endroit où on a découvert la base d'une colonne, ce qui est tout à fait inattendu car on n'en avait jamais trouvé au cours des fouilles précédentes. C'est une découverte capitale. Cette colonne pourrait indiquer que l'édifice en briques de terre disposait d'une grande entrée en pierre. C'est du calcaire blanc d'excellente qualité, donc l'édifice devait être très impressionnant. Le pied de la colonne est enfoncé à plus de 60 cm, ce qui laisse supposer qu'elle soutenait une immense arche couronnant l'entrée. C'est vraiment palpitant. On savait qu'il y avait quelque chose sous le temple de Nusayr, mais on ignore si c'est le soubassement du même temple ou s'il s'agit d'une autre construction. Le fait que l'entrée soit aussi monumentale me porte à croire qu'il s'agit d'un bâtiment distinct. Pourquoi pas un autre temple solaire? Un des quatre temples solaires oubliés.